Bonjour à tous. Cette mer face à laquelle je me tiens, c'est l'océan Indien. Une eau à 28 degrés, des palmiers, du sable fin, des coraux, des poissons clowns. C'est de celle-ci dont nous avons choisi de vous parler, et surtout de celles et ceux qui l'ont traversée au péril de leur vie, pourtant si fragile. Naïfa, Faïs, Abdul Karim, Alia, Archimel, Ibrahim, Zabel, tous ces enfants et de nombreux autres ont habité un jour les Comores avec leur famille, leur culture et leurs amis. Aujourd'hui, ils sont au CHU de Saint-Denis, seuls, sans leurs parents. Et ils ne les reverront probablement jamais. Comment en sont-ils arrivés là? C'est cette histoire que nous vous proposons de découvrir. Juste avant que le film ne commence, je tiens à remercier tous les enfants du service de néphopédiatrie du CHU de Saint-Denis. L'équipe soignante, les médecins, les infirmières, les aides-soignants, les éducateurs, les enseignants et tous ceux qui ont participé à ce film. Un grand merci également à tous ceux qui nous ont permis de travailler en totale liberté. Erika Barèche, alors députée de La Réunion, aujourd'hui secrétaire d'État à l'égalité des chances. Gilbert Annette, maire de Saint-Denis. Et la présidente du conseil départemental, Nassima Dindar. Un grand merci enfin à David Gruson, secrétaire général de la Fédération hospitalière, qui nous a ouvert les portes du CHU alors qu'il le dirigeait et a permis la projection aujourd'hui. Notre film est dédié à la force, au courage, au temps de vie utile, aux exilés du monde entier, vivants ou morts, et à ceux qui les aident. Merci. Je m'appelle Naïfa, j'ai 7 ans. Ma maladie, c'est j'étais toute petite. J'ai plus grand depuis que j'étais petit, mes reins étaient cassés. Je m'appelle Abdul Karim Alaoui, je viens de Comores. Aujourd'hui, je suis à La Réunion à cause de la maladie qui m'a... La maladie que j'ai eue à la partir de l'âge de 15 ans, mais là-bas, on ne l'a pas vu tout de suite que ça, c'est une maladie de rein. Mais on me disait que c'est à cause du froid que je gonfle, à cause de beaucoup de choses. Et j'ai commencé à faire la dialyse là-bas et ça ne me plaît pas. Ils posent des cathés sans anesthésie. Ils font direct, on sent tout ce qu'il fait. J'ai dit à mon père que si je reste ici, dialysé ici, vaut mieux mourir que de rester ici. Mais mon père m'a dit pas. Attends, tu résistes dans une semaine après. On va chercher un autre moyen. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui va être victime d'une maladie grave, rare, qui a besoin peut-être d'une opération complexe, est-ce que s'il vit dans un pays pauvre, pensez-vous qu'il puisse être soigné? Erwin ?
Autrement, il y a un exemple, c'est les Comoriens qui prennent les Kwassa Kwassa pour aller à Mayotte. Et souvent, il y a des enfants qui sont malades, qui sont pris en charge à Mayotte pour aller à La Réunion et être soignés à La Réunion. Exactement. La seule solution quand on est malade, quand on a une maladie rare dans un pays où on ne peut pas être soigné sur place, eh ben, c'est de partir et parfois partir clandestinement avec les moyens. Et comme l'a dit Erwin, c'est parfois au risque de sa vie. Quand l'enfant va être évacué sanitaire vers La Réunion ou vers un autre endroit, eh ben, il va venir tout seul. Et on vous dit, après, pour rentrer chez lui, c'est extrêmement compliqué. Ces enfants, ils sont condamnés à vivre ici toute leur vie, loin de leur famille. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que, en gros, dans les pays riches, on va avoir les moyens de soigner la population, d'abord d'ausculter dans des délais raisonnables, ça dépend près des médecins, de faire le bon diagnostic. Dans les pays pauvres, au contraire, eh bien, on ne va pas avoir suffisamment de médecins. Une fois qu'on a vu le médecin, bah, il n'a pas forcément de moyens techniques à sa disposition s'il ne peut pas diagnostiquer comme ça avec un stéthoscope ou des moyens rudimentaires. On ne pourra pas poser un bon diagnostic. La question, c'est aux Comores actuellement, d'après les informations qu'on a, c'est compliqué de dialyser les enfants, ils ne savent pas faire et il n'y a pas de structure dédiée à la prise en charge des enfants. Donc les parents sont amenés à devoir choisir quelque part entre garder leur enfant auprès d'eux avec un risque vital, parce qu'ils voient bien que leur enfant va pas bien. Souvent, quand ils s'en vont, c'est d'après ce qui nous est dit par nos collègues de Mayotte qui les voient arriver. C'est des enfants qui sont quand même très, très fragiles, très gravement malades, à des niveaux vraiment très élevés que nous, on voit plus à La Réunion. Les parents doivent choisir entre garder leur enfant avec eux, mais ne pouvant pas le soigner, ou le laisser partir tout seul, parce que c'est exceptionnel, les parents qui pourront accompagner leur enfant jusqu'à La Réunion pour le faire soigner. Donc c'est un choix difficile à faire entre garder son enfant avec soi, avec un risque de décès à plus ou moins long terme, ou le laisser partir avec un tiers ou tout seul pour qu'il puisse se soigner. La Convention internationale des droits de l'enfant qui stipule effectivement l'intérêt supérieur de l'enfant, l'attribution d'un titre de séjour à une personne adulte doit être vérifiée par les services compétents de l'État, mais pas par nous. Après, c'est vrai qu'il serait mieux, beaucoup mieux pour les enfants, qu'ils soient accompagnés par la personne qui a accompagné cet enfant jusqu'à Mayotte. Ça, c'est indéniable. Ce que je savais que... Bah bon, moi, je n'ai pas de papiers pour aller à Mayotte, il faut des papiers, tout ça là. Mais j'avais pas ça, moi. Et je savais que la seule réponse qui est, c'est de prendre le Kwassa. Mais le voyage, on a fait... On a parti 3 jours. Le premier jour, on est parti très, très, très loin, mais le moteur ne fonctionnait pas bien. On est retourné en juin. Le deuxième jour, c'est la même chose. Les bougies ne marchaient pas. C'est le troisième jour qu'on a réussi. La mer était un peu... Machin, mais on a parti quand même. Bah, le deuxième jour, j'avais dit à mon père, bah, là, on vaut mieux rester ici, bah, je prends plus de risques. Bah, mon père m'a dit, bah, là, on n'a plus le choix. Regarde tout ce qu'on a vécu avant, mais c'est là, faut y aller. Bah, j'écoutais mon père, bah, thank you.
encore un grand monde comme un autre. C'est au bord de la mer, un grand monde comme Saxonte. Il mauvais pas meilleur, il pleure son petit fils. Il t'est pris, t'es asper, pas plus mauvais pas meilleur, il pleure son petit fils. Il t'est pris, t'es asper, elle est toujours en vie. On m'appelle Papa Giraud. J'ai la chance aujourd'hui d'être à La Réunion. Moi-même, j'ai pris deux fois le Costa Costa pour aller voir mon père, d'ailleurs, qui est maoré. J'ai failli perdre ma vie. Hein. Et quand j'entends encore des gens qui meurent, 20 morts, 50 disparus, je vois des images que moi-même, j'étais dedans. Tous les morts qu'on en parle aujourd'hui, combien de morts, sont tous dans l'eau, hein. c'est dans la mer, on les trouve là où ils vivent les poissons. Les polices qui font la tournée sur la mer, ils nous ont pris. On n'a pas pu descendre sur la terre, mais on nous a pris depuis au large. Et on nous a ramenés dans un gros bateau au port. Après, c'est le deuxième jour qu'on m'a transféré à l'hôpital. Parce que les enfants ne sont pas avec leurs parents, souvent ils les cherchent, parfois ils finissent par les oublier, on a l'impression. Mais c'est ambivalent, ça dépend. En tant que maman, on est content de les envoyer, mais ils sont loin, les parents, ils ne les voient jamais. C'est dur, c'est très dur. Parce que moi-même, si demain il fallait que mon enfant parte loin de moi pour survivre, je ne sais pas. J'aurais dit oui peut-être, et non peut-être, je ne sais pas. C'est très dur. C'est très dur. Je vais rester ici, je vais grandir. Je vais pas aller à ma maison parce que il n'y a pas de médecin là-bas. Et mets ça dedans tes oreilles. Bon. Je m'appelle Alia. Alia, c'est ma copine, je joue avec elle. Et à la dialyse, je joue tout le temps avec elle. Elle choisit presque tout le temps le même goûter que moi. Biscotte et avec du beurre et de l'eau. Si j'étais une magicienne, je mettais toute la famille de Naïfa. Et je jouais un petit peu avec la famille de Naïfa, je jouais avec elle. Si je t'envoie demain à l'autre bout de, je sais pas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un territoire français, et que tu vis là-bas, loin de ta famille, de tes amis, que t'as parfois plus aucun. Non, aucune nouvelle, ma grand-mère là-bas. Et qu'on te dit, bah c'est bien pour toi, parce que là-bas, au moins, tu vois, il fait très froid, t'as une maladie qui se déclenche quand il fait chaud, et bah tu pourras vivre là-bas tranquillement. Tu serais content? Effectivement, tu vis en bonne santé, tu vis. Mais bien quand sûr. Même, quelque part. T'es coupé complètement de ta famille, de tes amis, de tous tes repères. T'es déraciné. Il est certain que si ses parents pouvaient choisir de garder leur enfant avec eux et de le soigner à côté d'eux, le choix ne se ferait pas. Là, ils n'ont pas le choix et ils sont obligés de subir cette migration pour que leurs enfants soient soignés. Et une fois arrivés sur Mayotte, même si les enfants arrivent avec quelqu'un de leur famille, il y a une impossibilité pour que ces enfants partent à La Réunion,
puisqu'il n'y a pas de laissez-passer qui est donné pour les accompagnants de ces enfants. Les enfants peuvent partir, mais il n'y a pas de laissez-passer donné pour qu'un accompagnant puisse partir avec ses enfants. Donc ces enfants arrivent tout seuls à la réunion. Mayotte m'avait dit que je viens ici pour 3 semaines, après je repars. Ben, j'étais content, ben, je ne vais pas rester ici toute ma vie. Ben, dès que je suis arrivé ici, ben, les docteurs m'ont dit que là, ta maladie, il faut que tu dialyses plus longtemps. Ben, j'ai dit quoi? Ben, là-bas, ils m'ont pas dit ça, ben, ils m'ont dit juste que je fais 3 semaines. Les docteurs m'ont dit non, il faut que tu restes ici, tu ne peux pas retourner au Congo. Les enfants qui viennent ici pour le programme dialyse transplantation, ce sont des enfants qui ne pourront pas rentrer chez eux. Donc l'installation à La Réunion va devoir être définitive. Contrairement à certaines autres spécialités dans l'établissement, par exemple la chirurgie, une fois qu'ils sont opérés, ils peuvent rentrer chez eux. Ou par exemple nos collègues qui s'occupent des enfants qui ont un cancer, eh bien ils les soignent, ou malheureusement ils n'arrivent pas à les soigner, mais dans tous les cas, de toute façon, l'enfant ne va pas s'installer dans la durée à La Réunion. Nous, dans la prise en charge en dialyse, c'est une spécificité qu'on a, c'est-à-dire que les enfants doivent s'installer dans la durée à La Réunion et ne pourront pas repartir ensuite dans leur pays d'origine puisque les soins n'existent pas. Donc ce sont des enfants qui vivent à l'hôpital avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer d'une vie prolongée à l'hôpital qui, quelque part, est vécue comme une prison puisqu'ils y sont 24 heures sur 24 alors qu'ils n'ont rien à y faire et que la vraie vie se passe à l'extérieur. Le docteur, il a demandé moi, Achmel, tu as maladie beaucoup, tu es grave, la maladie est grave. Mais quelle est la maladie? C'est dialyse. Moi, je ne connais pas la dialyse, docteur. Mais moi, j'ai peur. J'ai peur. Je pleurais. Après, le docteur il a dit, non, t'inquiète pas, Achmel, t'inquiète pas. Un enfant qui ne dialyse pas, il a tout son temps libre de faire ce qu'il veut. Il prend tout son temps de... Ben, il a tout son temps libre de choisir ce qu'il veut. Ben, tant qu'un enfant dialysé n'a pas tout son temps. Non.
Et si l'enfant, il parle pas la langue du pays, comment il fait? On demande à un traducteur. Hein, des Mahorais, on en trouve à la Réunion. Ils sauront traduire ce qu'il a dit. Si c'est un malgache, c'est pareil, on peut demander. Comorien, c'est bon, ça parle. Comorien, à la Réunion. S'il est sourd et il parle pas. Oh, alors là, et si en plus il a pas de main pour écrire, là, dans ce cas-là, je peux pas te dire comment on fait, hein. Souvent, c'est un petit peu la difficulté qu'on a, d'avoir des enfants, qui viennent la plupart du temps de Mayotte. Et on n'a pas de traductrice. Le plus simple, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de se faire comprendre. On a appris un petit peu certains mots de maoré, donc les plus simples, les plus basiques, si l'enfant a faim, s'il a mal. Et quand les petits de Mayotte arrivent, on a souvent des enfants plus âgés qui parlent les deux langues. Et ça, c'est bien. Parce qu'en fait, on a le soutien de nos propres patients qui nous aident à comprendre ces petits-enfants. Et donc, les grands, comme le grand Karim, que vous avez vu, il arrive à traduire. Il faut essayer de trouver les mots pour expliquer à l'enfant qu'est-ce qu'on va lui faire, comment on va le prendre en charge, tout en sachant que souvent, il ne parle pas la langue et qu'on n'a pas d'interprète à notre disposition pour pouvoir lui expliquer. Donc, ça passe par d'autres biais. Ça passe par le dessin, par... le corps, par d'autres choses, et ça, forcément, ça nécessite d'autres professionnels. Alors, regarde-moi ton crocodile, là. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Qu'est-ce que tu vois sur le crocodile? Des carrés. Des carrés. Des carrés. Et tu saurais compter les carrés? Allez, on va compter les carrés. Allez, on les compte. On va voir. Attends, j'ai pas vu le début. Oui, il est le premier. Allez. Un. Deux. Trois. C'est très bien. Donc, tu as bien compté. Alors, maintenant, je te lis ce qu'il y a marqué. Alors, il y a marqué. Les triangles sont verts. Oh, ça veut dire qu'il faut prendre le vert pour colorier les triangles. C'est, je pense, sur un traumatisme alors absolument monstrueux. Ces enfants, ils arrivent ici, ils ne comprennent rien à rien, et en plus, ils souffrent. Il leur faut du temps. Il faut beaucoup de temps pour les apprivoiser. Il faut beaucoup de bienveillance, et ça, c'est le travail de toute l'équipe, de tout le personnel soignant. On les voit arriver. Certains me font penser à des petits oiseaux tombés du nid, sans défense. Et puis, on les voit petit à petit. S'ouvrir, commencer à s'intéresser, regarder. Ça passe par le jeu au début, juste dire bonjour. Et puis, commencer à regarder autour d'eux. Ils voient les autres qui travaillent, qui disent tiens, bonjour Cathy. Et puis, il arrive toujours un moment où j'entends Cathy, je veux travailler. Et là, je sais que c'est le moment pour moi d'intervenir. Il a un gros chapeau. Ah, t'es sûre que t'es bien au point, le lieu du 8? Où est le point de ton 8? Il y a l'arrachement à leur culture, à leur langue, à tout ce qui constituait un monde signifiant pour eux, puisqu'ils étaient reconnus, ils existaient en tant que personnes, c'est le fils d'eux, il fait telle chose, comme nos enfants à nous, dans nos sociétés. Et cet arrachement, il est très violent. D'accord. Et est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait plus de sécrétions là dans les urines ces derniers jours? Parce que ça ressemble un peu comme quand là le docteur Harper est en train de l'examiner du coup, mais ça ressemble un peu, peut-être en plus important, des inflammations qu'elle a quand elle a le rhume, entre guillemets, que ça fait le rhume de la vessie, quoi. Voilà, donc peut-être que je vais voir avec le docteur Harper, mais c'est peut-être pas le bon moment de la changer, la sonde. On peut se retrouver avec des enfants, des petits, qui restent des mois à l'hôpital. Il y a une petite qui est restée 14 mois hospitalisée en pédiatrie, qui s'est mise à ne plus vouloir parler comorien du tout, qui n'a aucune nouvelle de ses parents.
qui a forcément développé des troubles du comportement, qui ne mangeait plus. Et cet aspect psychosocial, forcément, avait un retentissement parce que quand on reste 14 mois hospitalisé en pédiatrie, on ne peut pas avoir un comportement normal. C'est pas normal. On ne va pas à l'école, on ne voit pas ses parents, on n'a pas d'amis, on voit les autres petits copains hospitalisés qui sortent. C'est juste pas vivable. Et pourtant, elle a vécu ça. Et forcément, ça a laissé des traces, quoi. On va chercher les morceaux tout droit d'abord. Ouais, c'est bien. Maintenant, parce qu'il faut un morceau droit ici. Donc il y a des gens dans l'établissement, mais il y a aussi des gens en dehors de l'établissement qui nous aident pour la prise en charge de ces enfants, et entre autres la justice, le conseil général et tous ces gens qui sont à nos côtés pour nous aider à les prendre en charge. Alors il y a un point fondamental, c'est que bien sûr l'hôpital de CHU de La Réunion accueille ce patient, accueille ses patients dans le respect des règles sur l'entrée, le séjour sur le territoire national. Ça, ce sont les autorités à déterminer l'application de ces règles, à donner les autorisations d'entrée sur le territoire national. Et puis après, l'hôpital, son rôle, il est simple, il est modeste, mais il est fort. C'est de prendre en charge ces patients une fois que ceux-ci sont entrés régulièrement sur le territoire national et conformément aux objectifs de la France dans cette région du monde. Et quand ils arrivent ici, ils sont tous mineurs. Comme ils sont seuls, ils ont un statut particulier qui est un statut juridique, qui est un statut de mineur isolé. Donc, et de par ce fait, ils doivent être protégés par la loi. Et donc on signale quand ils arrivent, on signale au procureur, au tribunal de grande instance, qu'on a dans le service un enfant mineur isolé. Et dans ce cas-là, cet enfant va passer devant le juge des enfants qui va statuer sur sa position et ensuite, dans l'immense majorité des cas, confier cet enfant à l'aide sociale à l'enfance pour qu'une famille d'accueil lui soit trouvée. Pour favoriser l'intérêt supérieur de l'enfant qui est prise en charge, je pense qu'il faudrait trouver une approche au cas par cas. Que dans certains cas, la mère puisse accompagner, que dans certains cas, elle puisse faire des séjours. Je pense qu'il faudrait surtout les soigner dans leur pays, ou à Mayotte. C'est vrai que là, ça fait beaucoup, beaucoup de déracinement. Et si les ressources sanitaires n'existent pas, comment empêcher les parents de vouloir sauver leurs enfants, et nous aussi de faire tout ce qu'il faut pour les sauver. Qu'il est où là-dedans, oh, qu'il est où mon frère? Oh, qu'il est où là-dedans, qui voit où les misères? Il faut beaucoup de temps pour que ces choses se décantent et ça ne peut pas se décider à un niveau que départemental. C'est un niveau qui nous dépend pas de nous. C'est un niveau État. C'est pas nous qui pouvons décider de qui va avoir un titre de séjour ou pas. Par contre, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, il est évident que si ces enfants pouvaient avoir l'accompagnement de leur famille X ou Y, ça nous permettrait d'abord, ça les laisserait dans leur cadre traditionnel, dans leur histoire familiale, dans l'histoire qu'ils ont à créer avec leur famille. Et puis, bah, ça participerait quand même à une meilleure intégration. Nous, en tant que médecins, notre code de déontologie nous impose de prendre en charge les enfants à partir du moment où médicalement, sur un territoire de la République, puisque Mayotte fait partie de la République française, il y a des gens qui nous disent qu'ils ne peuvent pas s'occuper de ces enfants et que s'ils ne s'en occupent pas, leur vie est en danger. Donc médicalement, moi, je suis obligé de les prendre en charge et à chaque fois, c'est un accord médical qui est donné pour que ces enfants viennent jusqu'à La Réunion. Et en tout cas, il a été considéré comme éthique le fait de les accueillir parce que justement, sur un territoire de la République, ces enfants, ils arrivent sur un territoire français, qui est Mayotte. Après, de savoir s'ils arrivent par voie officielle ou voie non officielle, quelque part, c'est pas mon problème.
Mais ils arrivent, ils ont besoin de soins. Nous, on est capable de leur offrir ces soins. Donc, on doit leur offrir ces soins. Accélération ! Allez, la peau ! Hop, plus haut ! Plus haut ! Plus haut ! En éthique, ça serait de traiter tous les enfants. Après, je peux concevoir qu'on ne peut pas accepter tous les enfants du monde et les prendre en charge de la même manière comme ça se fait en métropole parce que l'argent ne tombe pas du ciel. Mais après, ça, c'est une question de... c'est une question politique. Comment on fait pour stopper les flux ? Comment on s'organise, qui prend la décision. En tous les cas, ça ne sera pas le docteur qui décidera. Ah non, mais celui-là, non, moi, je ne veux pas le traiter. En tout cas, ça ne sera pas moi. Ok, mais ce ne sont pas forcés. Oh attention, je suis très lourd. Ah bon. Ouh, bon, au revoir, Naïfa. À bientôt. Ton cahier, Naïfa, c'est où? C'est quoi ce regard de killer? Il t'attend pour aller. Allez, vite, vite, t'as fait l'ancien. Moi, j'ai pas le truc rouge. Où ça? À vos yeux, là. Isabelle est arrivée ici. C'est le conseil général qui m'a appelée pour me dire voilà, il y a une petite qui est dialysée. Donc, si je suis d'accord, je ne refuse jamais les situations d'enfants. Et puis, ça a commencé le travail à partir de l'hôpital. J'ai été la rencontrer. Elle avait très peur. Quand j'ai voulu toucher sa main, elle faisait comme ça. Je me suis dit, mais où est-ce que je vais partir comme ça? Et ensuite, parce qu'elle ne comprenait pas bien le français et elle était dans l'inconnu, parce qu'elle a tout laissé où elle était, dans l'inconnu, donc elle avait une très grande méfiance et le très gros moment d'angoisse. Et là, Isabelle est venue vers moi. Elle a fait un câlin et puis on a commencé les week-ends à la maison. Le premier week-end qu'elle a fait, elle ne voulait plus rester à l'hôpital. Donc elle est restée encore une petite semaine et après elle est rentrée ici définitivement. Elle me raconte son histoire quand elle était là-bas, quand elle allait à l'école. Et bon, c'était difficile pour elle parce qu'elle était malade et les gens qui étaient autour ne comprenaient pas. Et puis, elle est arrivée ici, on s'occupait d'elle. Et entre-temps, quand même, il reste encore ces grands moments d'angoisse. Elle en a parlé au début assez souvent. Du manque aussi. Hein. Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Elle faisait cuire à manger. Et puis maintenant, c'est moins. C'est moins. Je pense qu'elle a mis de côté cette partie-là pour pouvoir se construire et pouvoir avancer. Ce que j'admire avec ces enfants-là, quand ils ont une douleur, je comprends. Je comprends, je dis, là, ça va pas. Non, ça va. Et quand j'insiste, eh ben, il faut aller à l'hôpital. Parce qu'elles tiennent tellement le coup, elles tiennent vraiment... Pour elles, être malade, ben, c'est rien. C'est rien, c'est un tout petit rien. Et puis finalement, arriver là-bas, ben, y a une tension qui est trop forte, ou bien ben, il faut rester à l'hôpital parce que bon, ça va pas. Il reste comme les racines familiales et on ne peut pas couper les enfants de ça, quoi. Et pour moi, c'est quand même, ça reste inadmissible de pouvoir en arriver là aujourd'hui. Parce qu'on les déracine d'un côté pour les ramener ici et après, demain, on ne sait pas comment maintenir le lien. On ne maintient pas de lien. Donc pour eux, c'est difficile. Et même pour le parent, je n'ose même pas y penser. Aujourd'hui, ils sont là en famille d'accueil. Je pense que c'est pas le même lieu d'épanouissement d'être dans une famille d'accueil, loin de sa famille, loin de sa culture, et d'être à la maison, bien entouré avec ses frères et sœurs. Donc non, ils n'ont pas les mêmes chances, mais au moins on leur donne une chance qu'ils n'ont pas aux Comores. Ces enfants, ils auront plus tard un ressenti sur leur histoire qui va être difficile.
quand ils auront une vingtaine d'années, on leur demandera quelle est ton histoire. Je pense que c'est des enfants qui ont une belle histoire à raconter, une histoire même peut-être difficile, des ressentis. Parce qu'il y a énormément de choses. Nous, on sait très bien qu'on se construit sur quelque chose. Et c'est quelque chose qui est au fond de nous, même si on l'oublie quand on est petit, mais quand on grandit, ça nous revient. On a des faits, des gestes de notre vie qui nous rappellent qu'il s'est passé des choses sur lesquelles on n'a pas main mise et qui fait qu'on est comme ça aujourd'hui. Au-delà de la prise en charge qu'on fait, nous, il y a comment on fait vivre leur histoire et comment on respecte leur histoire. C'est plus ça qui nous inquiète parce qu'en termes de... Au niveau légal, au niveau prise en charge, on sait faire. Il y a des moments de désespoir, des moments où ça va un peu mieux. Mais quand ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de lien avec la famille, ben, là, ils se disent, mais qui c'est cette personne? On a presque oublié. Enfin, il y a tout un travail que nous faisons dans les services, en lien avec nos collègues de Mayotte, pour remettre de la parole, remettre des mots sur qu'est-ce qui fait que ça s'est arrêté, qu'est-ce qui fait que ben là, maintenant, ça va mieux, et comment on peut faire pour que ça se poursuive. Aujourd'hui, on n'a que des liens téléphoniques et des envois de photos ou autres. Et ça, c'est compliqué parce qu'ils ont besoin de connaître ce qui a été leurs parents, leur famille au départ. Naïfa, je vois, elle parlait de ses parents à peine arrivée ici. Au jour d'aujourd'hui, à aucun moment, elle ne va réclamer sa famille. Sa famille, c'est bon, sa tati, parce qu'elle est en famille d'accueil. Son environnement le plus proche, ben, c'est nous parce qu'elle nous voit tous les jours. Elle est là avec nous. Par exemple, les enfants de la dialyse et nous, les infirmières, ben, nous sommes son quotidien. Oh là 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 là, oh là là là, ça c'est beau. Okay. S'ils sont partis vers 9-10 ans, ils vont les réclamer. Oui. Mais il y en a qui ne comprennent pas pourquoi on les a laissés partir, pourquoi on les a rejetés. Je ne sais pas, ils le vivent peut-être comme un rejet de la part de leurs parents. Ils n'ont peut-être pas compris petit pourquoi. Parce que le parent n'a pas pu suivre, donc forcément, voilà. Ils se retrouvent tout seuls. Avec la barrière de la langue, d'un service de soins qu'ils ne connaissent pas, les blouses blanches qu'ils ne connaissent pas, et le mode de vie qu'ils ne connaissent pas, la nourriture. Enfin, c'est un déracinement total hein, pour ces enfants-là. Plus d'autres questions ? Non. Non ? Non. Écoutez, moi, je pense qu'on ça aussi. Ah ! Monsieur, mais Raphaël. En fait... Est-ce que c'est pas mieux qu'ils restent avec leur famille et qu'ils meurent avec leur famille plutôt que de rester en bonne santé mais loin de leur famille dans la déprime? Quand tu découvres que t'es malade, on te dit on peut pas te soigner ici, on peut te soigner là-bas, tu sais pas à l'avance que tu pourras pas rentrer. On n'imagine pas ça à l'avance et même les parents, je pense pas qu'ils l'imaginent vraiment. Hein, ils voient leur enfant qui est malade, qui risque de mourir, bah ils veulent une chose, c'est le soigner. C'est pas possible ici, c'est possible là-bas. On pense pas à après, on se dit ah bah on se débrouillera. Enfin, on n'imagine pas ça. L'urgence, c'est de soigner la personne. D'accord ? Dialyse jusqu'à la mort. Tu dialyses un bout de temps, mais un jour, tu seras greffé. Ah, je préfère ça que tous les troisièmes jours. Il y a des infirmières en plus qui piquent mal. Là, oui, le bras, il gonfle, ça fait mal. Pour moi, la plus belle satisfaction, c'est le jour où on a une proposition de greffon. Pour un enfant et qu'on lui passe le coup de fil pour lui dire voilà, ça y est, on a un rein pour toi. Et là, c'est moi je trouve que c'est le plus beau moment dans mon travail parce que ça fait des mois voire des années qu'on les connaît. C'est le docteur qui m'appelle, bah il me dit en fait ses premières paroles, bah j'avais un peu la trouille. Il y a un rein pour toi. Bah j'étais pas surpris, j'ai dit oui. Après, il m'a dit, bah, il faut que tu viennes à l'hôpital l'après-midi, je t'attends. Je dis oui. Bah, j'ai dansé tout seul, je riais.
Ah oui, j'étais tellement content. C'est pas éternel, mais ça fait quand même, ça change un peu quand même les choses parce que faire 5 ans ou 6 ans sans dialyse, c'est une chose. Un enfant qui actuellement est âgé de 6, 10, 15 ans, de toute façon, on sait qu'il aura besoin de 2 ou 3 greffes dans sa vie, avec des traitements qui vont endormir ses défenses immunitaires pour pas que son corps rejette le rein. Mais en même temps, en endormant les défenses immunitaires, il va être plus fragile vis-à-vis des infections et il va être exposé d'une façon plus importante par rapport à la population générale à un risque de cancer. Donc ça veut dire qu'ils vont être malades toute leur vie et c'est pour ça que c'est important de bien intégrer le fait que la transplantation, c'est pas du tout une guérison. Ça change la qualité de vie, ça prolonge la survie parce qu'on vit plus longtemps quand on est greffé que quand on est dialysé, mais c'est pas une guérison. T'as vu? Regarde. Et Faïs, tu veux du champagne? Non, t'es vanille. Ah ça, je sais pas, je vais voir. Allez. Oui. T'as vu? Ça veut pas couler. Bah si, il faut que ça coule, sinon ça marche pas. Depuis, j'étais pas du tout satisfait. En me voyant ici toute seule, la famille, on commence ici toute seule, sans parents, sans amis, sans quelqu'un que je connaisse, bah, j'étais pas du tout satisfait. Mais là, aujourd'hui, je suis tellement fier d'être ici pour me soigner, mieux que là-bas. Bah, ici, c'est bien, c'est tellement bien. Je perds à La Réunion. Avant, je perds. Maintenant, je suis content. Je suis content. La dialyse, il est passé bien. Le traitement, il est passé bien. Je me dis souvent, quand on a mal à la tête, on a mal à l'estomac, on a mal au ventre, on n'a pas le droit de se plaindre. Il faut se retourner et regarder ça. Et ça, c'est plus d'une fois que j'ai fait à travers certaines personnes pour dire « Ah bon, un mal de tête ?» Ben, je dis « Retourne et regarde. » Ah oui, c'est vrai. Là, ils prennent conscience. Ces enfants, ils grandissent, ils se développent, ils vont à l'école, ils apprennent à lire, ils apprennent à écrire, ils sont en train d'apprendre des métiers, ils sont en train de s'insérer dans la vie, et qu'il y a autour de ça des familles d'accueil qui s'occupent d'elles et qui sont très bienveillantes, parce que les familles d'accueil, elles sont exceptionnelles dans la prise en charge de ces enfants. Et c'est ça les choses qu'on peut voir au jour le jour. Et je pense que cet accompagnement qu'ils ont et qu'on peut voir avec eux au jour le jour, efface probablement toutes les difficultés qu'on peut avoir au quotidien dans la prise en charge. Et que après, quand on voit ce qu'ils deviennent et qu'ils sont en train de construire leur vie, eh ben, ça fait oublier tous les moments difficiles par lesquels ils ont pu passer. Mais c'est pas grave. Mais... C'est pas grave, là. Tu peux enlever, là, déjà. Ça va, c'est pas trop froid. Un petit peu, hein. Ce qui reste à faire déjà, c'est essayer de faire en sorte qu'ils partent pas de chez eux. Donc qu'ils puissent rester chez eux pour se faire soigner chez eux, parce que c'est quand même l'objectif. Donc d'essayer d'aider nos collègues comoriens à prendre en charge ces enfants-là. J'ai envie de travailler, j'ai envie de réussir dans la vie, quoi. Mais avant, je pensais même pas à ça. Mon rêve d'aujourd'hui, bah, c'est de réussir ma vie. Ici, après, retourner un peu de temps en temps, voir la famille, les aider un peu.
Wayo maman, wayo papa, wayo maman, waya. Wayo maman, wayo waya. Et wayo maman, wayo papa, wayo maman, waya. Wayo maman, wayo waya. L'avenir, j'espère une greffe pour elle, une guérison. Qu'elle revoie sa famille et puis bon après tant qu'il y a de la santé il y a de l'espoir, hein. Voilà. Qu'on doit en parler plus dans les écoles parce que je crois que c'est les enfants encore le porteur de message de demain, c'est eux peut-être qui vont essayer de trouver de changer ça. Des enfants, s'ils étaient malades et que t'habitais toujours aux Comores, est-ce que tu les enverrais sur un quoi ça? Je veux dire qu'ils font ça, ils n'ont pas le choix. Hein. Ils n'ont pas le choix. Bien sûr, personne n'aurait laissé son enfant partir, prendre les vagues, prendre un quoi ça. Pourquoi? C'est un enfant, il n'est ni responsable ni rien. Moi-même, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui veuille laisser son enfant partir à Mayotte. Quand il s'agit là de la maladie, tu vois l'enfant est en train de mourir dans tes bras, tu n'as aucun moyen. Tu entends parler que Mayotte, il y a des docteurs, il y a des médecins. Mais tu t'es dit, écoute mon fils, bonne chance. Et on va essayer de faire tout le nécessaire pour que tu vas te soigner. C'est vraiment une dernière façon de faire, malheureusement. Ciao, ciao. Malade et je vais plus être malade, je vais devenir te voir. Il faut pas que je pleure, maman. Petit ange joli, perle.
Quoi ça, le cœur ici.